On parlait d'athlétisme, avec de l'athlétisme 100% féminin. C'était un meeting hier dans le Val d'Oise, ça se passait à Aubonne, et il n'y avait donc que des filles, et des filles qui ont remporté, elles, une belle course, et là même la meilleure performance mondiale de l'année, c'est Myriam Soumaré sur 200 mètres, championne du monde 2010, médaillée de bronze 2011. Elle a couru en 22 secondes, 87, et Soumaré s'est fait quelques écorchures à l'arrivée, vous allez voir, elle va chuter, et elle se voit bien sur le podium des championnats d'Europe qui débutent dans 3 semaines en Suède. Elle s'est fait légèrement mal. Elle, c'est Eunice Barber, une revenante, presque 3 ans d'absence, la championne du monde d'heptathlon en 99 et longueur en 2003, avait raccroché les pointes en juillet 2010 après un dernier saut à 6,41 m. Hier, elle a fait 33 cm de moins. Il y a du boulot.